Salut tout le monde, c'est Lou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Evolution Playmobil. Ah, revoilà le soleil, ça tombe bien, car aujourd'hui je vais vous présenter les différentes versions de la piscine de la maison moderne. Alors déjà, il faut savoir que la première piscine de la maison moderne n'est pas arrivée directement avec le premier thème de la maison moderne en l'an 2000, mais seulement 3 ans plus tard, dans une nouvelle vague, en compagnie notamment de la chambre de bébé et de la buanderie. Et la voici donc, cette première piscine de la maison moderne. Il s'agit de la référence 3205, apparue donc en 2003. En plus de cette grande piscine, on a un peu de mobilier de jardin pour profiter du soleil et des accessoires pour faire plouf. Franchement, en plus d'avoir une grande piscine, j'aime bien la verdure qu'il y a autour. Je trouve que c'est un set réussi. Alors, bien évidemment, on peut remplir notre piscine avec de l'eau. C'est quand même mieux pour une piscine, vous allez me dire. Ça permet de faire flotter le matelas gonflable et la bouée. Sympa, non? Attention quand même à ne pas la faire déborder, hein. En tout cas, si ce modèle de piscine vous plaît, il est réapparu dans la gamme de la Villa de Vacances en 2018 grâce au set 9422. Et il est encore plus beau, avec un motif au fond de la piscine. Alors, on est bien là, Jean-Kevin et Robert? Et vous pensiez que cette douche était là pour décorer? Que nenni, elle fonctionne vraiment! Il suffit d'appuyer sur cet énorme bouton poussoir qui n'est pas réaliste mais a le mérite de fonctionner. Ah moi, ça m'éclate, hein. Spritch, spritch, spritch! Allez, on avance, et malheureusement, pas de piscine pour la maison moderne 4279 sortie en 2008, donc on passe directement au 75575 sorti en 2014 dans la gamme de la Villa de Luxe. Cette fois-ci, la piscine est comprise dans le thème dès le départ et sort en même temps que toutes les autres pièces de la maison. Et c'est même encore mieux, elle est conçue pour s'intégrer directement dans le sol de la villa. On peut ainsi l'arranger en quelque sorte pour gagner un peu de place et puis la ressortir comme un tiroir. Malin, non? On trouve à nouveau du mobilier de jardin un peu plus moderne cette fois-ci. J'aime beaucoup la table avec parasol et le fauteuil que je trouve très design. Et oui, ce n'est pas la villa de luxe pour rien. Côté construction, on a un très joli sol de terrasse boisé pour un aspect chaleureux, très joli, mais à peine assez grand pour mettre tout le mobilier et avoir encore de la place pour passer. C'est vraiment tout juste. La piscine, elle est plus petite, mais j'adore le fait qu'on y trouve des plantes, c'est trop joli. Et bien évidemment, une fois encore, on peut mettre de l'eau pour remplir la piscine. Comme ça, le petit Jean Cacahuète va pouvoir s'amuser dans sa jolie bouée de tortue. J'aime aussi beaucoup cette version de la piscine. Regardez les détails de la pierre de la terrasse, c'est vraiment très bien fait. Et pendant ce temps, je continue de remplir et Jean Cacahuète boit la tasse. Malheureusement, pas de piscine non plus dans la maison moderne 9266 de 2017. Ah, attendez, on me dit que dans le set du jardin 9272, on a une piscine. Oui, le petit truc bleu là. Bon, on va dire qu'on la compte pas, hein. Du coup, voilà, pas de piscine pour les maisons modernes depuis 2014. Vous avez hâte d'en revoir une pour les maisons? Moi, vraiment, j'adorerais en avoir une intégrée comme avec la Villa de Luxe. C'était une très bonne idée, mais je voudrais qu'elle soit encore plus grande la prochaine fois. Et vous, quelle est votre piscine préférée? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager la vidéo pour faire découvrir ma chaîne. Et retrouvez tous mes unboxings grâce au lien sur l'écran de fin ou dans la description. Je vous invite notamment à découvrir mes unboxings des 4 maisons modernes sorties à ce jour, il y a des belles choses à voir. Et comme il y a plus d'une centaine de vidéos Playmo sur ma chaîne, ça devrait vous occuper un bon moment. A bientôt dans le monde des Playmobil. Ciao.